صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بعدنا من زودتكم بفقره كتاب وهن مميزين هالحلقات لانه عم نغطي فيهم معرض الكتاب الفرنكوفوني مباشره من بيروت. اليوم ايضا عندي ضيوف مميزين، اثنين منهم فرنسيين ودكتوره لبنانيه، رح نتعرف اكثر عليهم وايضا توقيعاتهم كلهم بين اليوم وبكره بمعرض كليب الفرنكوفوني. بعده مكمل لنهار الاحد ب 24 الثاني، وفيكم تكونوا كتار هالويك اند عم تستفيدوا، كتاب كتار، كتب مميزة ومهمة جدا من الساعة 10 للساعة 9 عشية، وأيضا عم نكون عندنا حلقات خاصة مباشرة من البيال الساعة 6، وعم تكونوا كتار متتبعين هالحلقات. نحن بنشكركم أيضا على كل الكومنتس اللي عم تعطونا إياهم الحلوين، ومبسوطين إنه الثقافة بعدها هي صورة لبنان الحضارية. بحب رحب باستديوهات الأم تي في Stella Baruch, vous êtes la bienvenue. Ça nous fait grand plaisir de vous recevoir au Liban et dans les studios de la MTV. Docteur Jeannette Dakash, ahla wa sahla fiki. Merci, ahla fiki. كتابك مهم جدا وبيت يعني اكثر شيء عن الشباب اللبنانيين والعالميين، يعني موضوعك منه بس لمجتمع لبنان ولكن ايضا بيتطبق كثير خاصه من بعد مشاكل الحرب. رح نشوف حتى تأثيرهم النفسي ايضا على يعني الشباب. اهلا وسهلا فيك. اي باتريك ديفيل، vous êtes le bienvenu. Merci. Ça nous fait grand plaisir et nous avons l'honneur de vous recevoir. C'est votre première visite au Liban? Non. Non. Vous aimez bien ce pays? Oui, 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 beaucoup. J'aime bien être à Beyrouth. Oui, oui, ça se passe bien alors au salon et, Alors là, je suis arrivé hier. Hier. Enfin, votre signature est donc... Il y a une rencontre en public ce soir à 18h au salon. Oui, et une signature après? Dans la foulée, oui. Dans la foulée. Bonne chance alors. Merci. Je vais commencer avec Stella Baruch, qui est de Mawalid, Iran, en 1932, et qui est spécialisée en sciences et en الأطفال، وعيشت فترة كبيرة بلبنان، هلأ بتخبرنا عنها، وتعلمت ببيروت، وسنة 1950 انتقلت العيش إلى فرنسا، وأيضا علمت الكثير من التلاميذ، وأيضا عالجت مشاكلهم بعلم الرياضيات، وكتبت كتب عديدة ترجمت إلى لغات عديدة، منها إشاك إمات ولاج دو كابيتان الإكسبيريانس ماتيماتيك الإغرار أو ماتيماتيك. ورح توقع كتابة اليوم مي بريمير ماتيماتيك افيك نيمو إميلا، كتاب موجه أكيد للأطفال ورح تحكينا عنه أكثر. ستيلا، pourquoi avez-vous choisi de joindre vos deux mondes, le monde des mathématiques et le monde de la pédagogie ensemble? Parce que si on veut qu'il n'y ait pas d'échec en mathématiques, mon premier livre s'appelait Échec et maths, et il cherchait à analyser les raisons pour lesquelles les élèves étaient en situation d'échec quand c'était le cas, et il y en avait beaucoup. Vous entendez énormément de gens dire « je suis nul en maths » ou « j'étais nul en maths » ou « mon frère est nul en maths » ou « bon ». Et donc c'est cette nullité en maths que j'ai essayé d'analyser, ça fait une quarantaine d'années maintenant. Et bien sûr, quand ça se passe bien, ça ne se passe pas bien en terminale, on se dit que le collège était pas comme il fallait. Mmh. Et quand ça se passe pas bien au collège, on dit que c'est l'école qui n'était pas comme il fallait. Exactement, on remet toujours les erreurs sur les autres. Et donc ça amène à s'interroger sur ce qui se passe au CP, le socle, mmh, la construction même de toutes les mathématiques à venir. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce fichier, ouais, qui m'a demandé beaucoup de travail, mes premières mathématiques. Ouais. Et nous savons que dans presque tous vos livres, vous mettez en relief l'importance donc de la langue mathématique liée à des confusions, bien sûr, entre langage, donc le langage mathématique qui est en confusion avec le langage de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours confusion entre le langage mathématique et le langage courant? Parce que c'est vrai ce que vous dites et on rencontre cela déjà nous dans notre propre expérience ou
Nous avons aussi des enfants qui rencontrent cela. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai beaucoup racontée, mais qui est très significative. On demande à un enfant le double de 5. Il dit 6. Ah, bizarre. Ben, dis-moi le double de 10 alors. 11. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as compris? Lui dit-on, heureusement d'ailleurs. Il dit, ben, parce que le 6, il double le 5. Le 11, il double le 10. Ah d'accord, ils le prennent il dans ce sens. Il lui passe devant. Ouais. On a constamment des choses de ce genre-là, ouais. Constamment. Et évidemment, si on ne va pas chercher la vraie raison d'être d'une erreur chez un enfant, en général, elles sont totalement légitimes et totalement portées par la langue, eh bien, on le met de côté sans s'en rendre compte. Hein? On le met en situation d'échec sans s'en rendre compte. C'est vrai, parce qu'il y a totalement confusion dans le langage. Dans mes premières mathématiques avec Nemo et Lila, donc, vous racontez l'histoire de deux sœurs. Donc, Nemo et sa sœur aînée, Mila, qui vont à la rencontre donc, de leur première leçon de mathématiques parce que ce sont des élèves de CP. Quelle méthode appliquez-vous à ces enfants pour qu'ils aient la bonne base pour après, parce que tout se passe en CP, comme vous le dites? Eh bien, écoutez, tout passe par la langue. La langue est première partout. Ce que les enfants entendent dans la rue, à la maison, avec les médias, etc., c'est 97, 36, 2659, etc. Bon. Donc, il y a cette langue de base. Et si on essaye de voir un petit peu ce qu'il en est des langues du nombre, on s'aperçoit qu'elles sont d'une irrégularité incroyable. La vôtre même, même en arabe. Ouais. C'est-à-dire... C'est une langue que vous connaissez bien. Que je connais un petit peu. Si je veux dire 537, je vais dire « khamsmiye »,« khamsmiye saba » ou « tlatin ». Ouais. C'est-à-dire 507 et puis 30. Ouais. Pas évident. Ouais. Hein? Donc, il y a un aller de droite à gauche et Exactement. De gauche à droite. Ben, s'il y a des enfants qui sont un peu surpris, ça n'a rien d'étonnant. C'est pareil en français. Le nombre d'enfants qui font, les enseignants s'arrachent les cheveux. Quand on écrit 97, ils écrivent un 4, un 20, un 10, un 7. Hein? Jusqu'à arriver à comprendre que ce sont les irrégularités de langue qui sont doublement arbitraires en ce qui concerne la langue des nombres et qu'on est obligé, avec lesquels on est obligé de travailler. Mais quand on travaille avec ces irrégularités en les rendant explicites, en mettant les enfants dans le coup, si j'ose dire, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, tu vois, on va compter par 20. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, regarde tes mains et tes pieds. Tu as 20 doigts en tout. Eh bien, il y a des endroits où on compte par vingtaine. Donc, ça devient un jeu. On peut compter 3 20, 2 20, 6 20. On comptait, on disait des 20, on disait 6 20. Mais vous parlez là de langage, mais il y a aussi la logique. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, la logique mathématique? Ah ben bien sûr. Mais alors justement, si on ne veut pas que les enfants deviennent ce que j'appelle depuis mon premier livre des petits automates avec un THE, ce qui veut dire automate en mathématiques, eh bien, il faut qu'il ne soit plus réactif à un simple mot. Combien il a de plus, ils font plus. Combien il a de moins, ils font moins. Même si c'est le contraire qu'il faut faire. Ouais. Bon. Donc, pour ne pas obtenir ça, tout le travail que j'ai essayé de proposer, là, c'est que les opérations soient rendues totalement nécessaires, et non pas parachutées. Ouais. Un tel a 3 bonbons, l'autre en a 4, combien ont-ils ensemble? Mais pourquoi diable mettraient-ils ensemble leurs bonbons? Donc voilà. il y a la logique des choses. En tout cas, c'est un livre très intéressant qui doit être à la portée de tous les enfants. Je crois. Et bien sûr, ça c'est sûr. Mouchahidine Al-Kiram, qui est en train de faire un kitab, et dans mes premières mathématiques avec Nemo et Mila, où il dit que les problèmes commencent dès l'âge petit, dans les classes élémentaires, et tu fais la langue. مهمة وفي مشاكل أيام بين لغة الرياضيات واللغة الأدبية اللي بنحكيها وأيضا أكيد حكينا عن يعني في واقع أيضا وتحليل بالرياضيات مهم جدا كتاب مفروض يكون بمتناول الجميع donc vous signez ce soir oui. à 18h c'est ça et il y a l'entretien à...
À 17h. Ouais. Patrick Deville, donc, من مواليد فرنسا سنة 1957 ومن عمر 23 شغل منصب دبلوماسي بالإمارات وهو حائز على دكتوراه بالفلسفة، درس بعدد كبير من الجامعات ببلدان عديدة مثل الجزائر ونيجيريا والمغرب وهافانا، كما ترجمت كتبه إلى عدد من اللغات، كما أنه مدير ميت ميزون دي زيكريفان إترانجي إي دي ترادكتور، وبيشرفنا استضافته لليوم. فوتر باسيون دو فواياج مسيو دوفيل إي دو لا ديكوفيرت دونك دوتر كولتور، فوزا بوسي أوسي بروند أن شارج لا ميزون دي زيكريفان إترانجي ترادكتور ميت à Saint-Nazaire et a créé aussi un prix littéraire pour la littérature latino-américaine que vous préférez un peu sur les autres. Oh non, je n'ai pas de préférence absolue, mais enfin j'aime beaucoup cette littérature latino-américaine qui est importante, mais enfin il y a beaucoup d'écrivains étrangers viennent résider dans cette maison en permanence, y compris des écrivains libanais. Enfin, il y a un projet de maison internationale des écrivains à Beyrouth. Ça fait plaisir. Dont je m'occupe un peu. Ah, très bien. Et donc les choses devraient se faire. Enfin, ça, c'est aussi avec l'écrivain, le romancier francophone et béroutin Sharif Majdalani, oui, dont ce projet. Bien sûr. Que j'ai reçu plusieurs fois. En tout cas, il est aussi professeur à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Nous remarquons qu'à partir de 2004, M. Deville, vous parlez dans vos romans de la thématique du voyage et des utopies aussi du XXe siècle et de leurs échecs, notamment en Afrique et en Asie du Sud. Pourquoi ? Et enfin, j'ai entrepris, c'est le cinquième livre, on a eu un tour du monde, en effet, de cette idée de progrès qui apparaît au XIXe siècle. Donc progrès, enfin, révolution politique, scientifique. Le dernier, c'est plutôt ces idées de révolution scientifique, positiviste de la fin du XIXe, autour de la vie magnifique d'un pasteurien, Alexandre Yersin. Donc, je savais donc, que... Oui, voilà, c'est le Peste et Choléra dont on va parler, vous le signez au Salon. Et donc, vous parlez d'Alexandre Yersin qui a trouvé la choléra et il a trouvé aussi l'antidote. Lui, c'est la peste. Excusez-moi. Non, mais justement, le livre s'appelle Peste et Choléra. C'est la peste. Et donc, et il développe aussi, donc là, je vois la culture... Donc, de l'Enéa. Et pourquoi avez-vous pris comme héros cet homme dans votre livre? Et merci, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé avant vous. Et alors, je voulais consacrer un livre à cette petite bande des pasteuriens, c'est-à-dire les jeunes hommes qui entourent le vieux pasteur après la vaccination antirabique et qui essaient d'appliquer la méthode microbienne à d'autres infections pour voir si on peut de la même façon identifier le bacille, l'atténuer par chauffement, obtenir un vaccin, etc. Moi, je ne suis pas un médecin. Et qui ensuite ont créé partout des instituts Pasteur, un peu partout dans le monde. Et donc, je savais que les correspondances de tous ces jeunes hommes étaient déposées aux archives de l'Institut Pasteur dans le 15e arrondissement de Paris. Vous avez fait beaucoup de documentation. Alors, je suis allé lire leurs correspondances, à la fois scientifiques, amicales, privées. Et puis, évidemment, j'ai choisi Yersin parce que c'est celui qui meurt le dernier, d'une part. Il meurt en Indochine en 1943, sous occupation japonaise, au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça me permettait de raconter tout ce siècle-là, la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40, puisque justement, la peste, c'est lui. Enfin, c'est lui qui identifie le bacille de la peste à Hong Kong et qui crée le vaccin. Et donc c'est l'Institut Pasteur, et à Berlin, c'est l'Institut Koch, et sur le choléra, c'est Koch qui va l'emporter. Ouais. Et donc, si vous voulez, l'esperluette entre les deux, c'est Sedan, grosso modo, c'est la guerre de 70. On peut lire le siècle à travers ces personnages. Voilà. Et ce rêve brisé des positivistes, enfin, c'est-à-dire que ces jeunes hommes admirables, beaucoup meurent, se précipitent sur les épidémies, attrapent le truc et meurent. Ouais. Mais ceux qui survivent constatent
désappointés, un peu tristes, que eux étaient convaincus que les progrès des sciences et des techniques ne pouvaient aller que vers le bien, le mieux. Bien sûr. Voilà. Et ce sont des grands humanistes et ils sont en train de travailler. En tout cas, on voit de moins en moins, malheureusement, des gens... bon, il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent pour trouver peut-être beaucoup de bonnes choses pour le cancer. Mais on trouve de moins en moins des gens qui vont vers à trouver des solutions ou des antidotes pour des épidémies ces temps-ci. Là, tout de même, on vient d'inaugurer un nouveau bâtiment ultra-moderne dans le 15e arrondissement, sur le périmètre de l'Institut Pasteur, qui est justement un pôle de recherche dédié à ce qu'on appelle les maladies émergentes. C'est-à-dire qu'eux pensaient que finalement, on parviendrait à éradiquer ces maladies et qu'ensuite, ce serait terminé. Ouais. On sait maintenant que de nouvelles maladies émergent. Enfin, bien il sûr, y a Ebola, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, on sait qu'on n'en finira pas. Oui, c'est vrai. كنا عم نحكي أكيد عن بيست كوليرا كتاب رائع بيحكي عنه عن البطل وهو ألكسندر ييرسين اللي اكتشف الأنتيدوت للبيست وأيضا بيحكي قد إيه مهم هو الناس اللي اكتشفوا كل يعني الأدوية ضد هالأمراض اللي كانت تقتل مئات ألوف الناس وهن بيموتوا فيها ولكن عندهم هالشغف إنه يساعدوا الآخرين ومن خلال هيدا فينا نقول البطل اللي ألقى الضوء عليه مسيو دوفيل وأكيد كان عنده كتير من يعني عمل كتير جاب كتير معلومات وقدر يلاقي أخذ معه كتير جهد هيدا الكتاب تيفسر أيضا عن كل القرن العشرين ومن الحرب 1870 لل 1914 والحرب العالمية الثانية اللي من خلالهم كمان ألقى الضوء على ناس مهمين مثل هالناس وعم بيقول أيضا أنه بلبنان رح يكون في ورشة عمل كمان مع كتاب عالميين يجوا ويعملوا يلتقوا بكتاب لبنانيين لأنه هو كمان على رأس ميت دكتور جانيت دكاش أهلا وسهلا فيك حضرتك طبيبة متخصصة بعلم النفس والطب النفس العيادي دونك دكتور أم سيكاناليز وبسيكوباتولوجي فوندامنتال من جامعة ديدرو باريس 7 وحضرتك استاذة جامعية بعدد من الجامعات اليسوعية اللبنانية وروح القدس الكاثوليك مانجي بور دو ميغرير بور لوتر لي سكري دي تروبل ساليمونتير كتاب رائع لأنه عدا أنه بيلقي الضوء على شيء جديد كان أكثر يمكن تابو قبل وهو سلوك الأكل أو التغذية عند الشباب لمن خاصة عند الشباب كثرة الأكل أو قلة الأكل وخاصة منلاقي هالأمور كثيرة صارت من بعد الحرب أو بالحرب كمان خبرينا أكثر عن قد ايه مهم الإنسان يكون عنده حالة نفسية فينا نقول ستابل تيكون عنده فينا نقول حالة كمان بالأكل طبيعية بحب شوي أعمل une continuité entre ce que ils ont présenté. Je vais simplement dire ça en français parce que la personnalité des troubles du comportement alimentaire, ce sont des personnes qui ont déjà des problèmes au niveau de la représentation mentale, au niveau de leur tête qu'on les retrouve chez les enfants. Très bien. Et en même temps, ils ont cette difficulté intérieure de destruction qui amène à des problèmes comme ça. D'accord. Et nous ne sommes pas au hasard de se réunir autour de ces bien deux sûr, thèmes. Bien sûr, ça nous fait plaisir, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je voulais être un peu dans la continuité en ce, que, ce que vous en avez travaillé. En tout cas, l'humain est un tout. Voilà, donc c'est ça ce qui représente cette personnalité. بالعربي مانجي بور دو ميغرير بور لوتر هو كتاب بيخبر عن انا باكل لغيري باكل لغيري يعني الشخصيه البوليميه هي بتاكل لغيرها لتحافظ على هيدا الشخص اللي جواتها بدها تغذيه
ما بياكل او انه مقرر بور لوتر يعني بوقف عن الاكل لانه هذا الشخص اللي قبالي هو صورته ونظرته لإلي بلشت تصير نظره الاضطهاد. نعم. دونك من هون بوقف الانوركسيا يقعد ما ياكل. السكري دي تروب الانيمونتير هو بخبر عن هالصراع الداخلي اللي موجود عند هالهويه عند هالشخصيه اللي جوات هالإنسان وبتبلش أكتر بالمراهقة بتبلش إذا بدك قبل حتى بالطفولة قبل يعني بين الطفولة والمراهقة يمكن. بتبلش هي بتتكون يعني بقلب هيدا الكتاب منخبر وين بتتكون هيدي المشكلة بتبلش إذا بدك من أول ما ببلش فترة الحمل نعم. بالحمل فيها العملية الانصهارية بين الولد وأمه نعم. ما بتخلص على وقتها بيصير الولادة وما بتخلص على 40 يوم بتضلها لوقت طويل نعم. وهالعملية الانصهارية هي بتخصص هي إذا بدك نوعية خاصة وفردية نعم. لهالنوع من الشخصيات وهول الشخصيات هني وعم ينمو وعم يتطوروا بيمرقوا بكل ما بيمرقوا بحاجة إنه يخلصوا من هالانصهار ويلتقوا بوجودهم كشخص مختلفين عن غيرهم بيمرقوا بهالحادث اللي هو أنت كمان بكتابك لأنه الوقت عم بيدهمنا بتخبري عن تجاربك يعني حضرتك طبيبة وشفت كتير من المرضى إذا فينا نقول أو الناس اللي عندهم مشاكل عمره 15 سنة بحث وقدي النسبة من هالناس اللي بيعانوا من مشاكل تقريبا نسبة عم نحكي بالمجتمع ككل اللبناني والعالمي هلأ النسبة بلشت تزيد كتير فينا نقول إنه بلشت تصير أكثر من 30% ومشان هيك هالحاجة كتير موجودة أكيد. والعمل على طريق علمي لهيدا الشغل أكيد كان ضروري هيدا الكتاب من وقت فرويد سنة 1901 اتطرق بكتاب بلاتر لفليس بيقول له كنت بتمنى نحكي عن البيسكسواليتي بسيشيك اللي هو كان بيعتبرها أورجانيك بوقتها ومن وقتها ما صار هالمجال أنه ينفتح هذا على الموضوع. كل حال توقيعك اليوم الساعة ببيال أستاذ لبوان الساعة 5 الساعة 5 كتاب رائع ولازم يكون بمتناول جميع الأمات الأمات والولاد والمتخصصين بالديتيتيك البروبليم جاسترو جاسترو أنا بحب أرجع استضيفك بكتاب حلقة خاصة لأنه موضوع رائع جدا وهو علمي بامتياز أنا بتشكركم ستيلا باروك مرسي مسيو باتريك ديفيل جو فو رمارسي مرسي دكتور جانيت تكاش مرسي مشاهدينا الكرام وصلنا على ختام لايف انا بشوفكم الليله الساعه 6 مباشره من سالون فيلي فرانكوفون دو بييل وايضا بكره بكتاب الساعه 12:30 خليكم على الموعد